Bonjour YouTube, c'est Pyro, on se retrouve pour une vidéo Black Ops 3. Enfin on l'a reçu, donc on part tout de suite, donc j'ai fait quelques parties. Rien de méchant, hein, le temps de prendre bien en main, tout ça, tout ça. Et là donc on est ensemble donc, pour une vidéo, toute tranquille. Voilà, on va passer par là. On s'est loupé magnifiquement, magnifique. C'était magnifique. C'était sublime. Donc on le sait. Voilà. Ah merde. Je vais tirer sur le côté. Donc on y va, on y va. Allez, go, 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 go. Donc voilà, ça commence bien. On est bien. On est bien. On est bien mort surtout. Surtout, surtout. Donc. Black Ops 3, hein. Ok, ok, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Faut voir, j'essaie de me concentrer. Non, ça peut être possible ça. Alors attendez, 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 attendez. Voilà, tout ce que j'ai gagné. Ah putain, le temps qu'elle met à exploser la grenade, wesh. C'est un truc de ouf. Niveau 4 de l'arme, tranquille. Oh, vous êtes pas gentil, vous. Je sais même pas c'est quoi mes grenades. Mes deuxièmes grenades là, je sais même pas à quoi elles servent. Ok. J'ai surtout servi à mourir là. Trop de choses sont passées, donc on a évité le missile, mais on s'est fait éclater juste derrière, tranquillement. Vous l'avez vu, moi aussi. Mais lui, il m'a vu plus vite. Pas juste. On va éviter de passer par là, on va essayer de passer par ici, hein, faire genre... C'est quoi ça? What? C'était quoi ça? Pourquoi j'étais tout rouge? Ok. Alors on se prend une branlée. Faut savoir, hein, je fais 4-9 et je suis deuxième de la game. Clairement, on est mal. Enfin, deuxième de ma partie. Enfin, de mon équipe. Voilà. Sans galérage, hein, sans galérance. Voilà, bien entendu, on meurt. Oh là, les ennemis partout. Ok, alors lui il nous met une tollée. Ah, j'ai tout tiré au-dessus d'elle, hein. Clairement, je l'ai pas touché. Ok, on va se prendre notre grenade. On va attendre un peu. On va attendre voir. C'est parti. Oh non, derrière, en plus il y en avait un juste là devant moi, j'aurais pu le tuer. Non, 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 je ne suis plus d'accord. Eh mais ils sont partout, c'est pas possible. C'est pas possible, faites quelque chose. Appelez Jackie Michel, on se violait. Oh là 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 là. Tout, 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 double kill, tranquillement. Et on meurt juste derrière. On meurt juste derrière. J'ai pris ma grenade. Non, pas possible. Ok, le mec sans pression, il essaie de rentrer là-dedans sans pression. Mais non. Non, dites-lui que je suis pas d'accord. Putain! Oh! J'ai cru voir un gros minet. Je
genre de rien. Alors, on s'est fait martyriser. On s'est fait martyriser. J'en bégaye. 32-75, c'est un viol, hein. C'est un viol. Encore une fois, j'ai envie de dire merci Jackie et Michel, hein, pour ce qu'on s'est pris, parce que là, franchement, avec tous mes implants, vous aviez aucune chance. Ouais, les implants, ouais, bah oui, bah je sais plus quoi dire. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Donc voilà. On se retrouve tout de suite pour une deuxième partie. Donc je vais couper là et on va reprendre sur la deuxième partie. Ciao, ciao. On arrive sur une partie en cours, mais on va y aller quand même. Voilà, en mode beau gosse et tout. Non, c'était pas possible. Donc oui, comme je disais, en mode beau gosse, ça vous étonne pas, moi non plus. Je viens de me fail, mais alors, d'un truc sans nom. Voilà. On court, pas mal. Oh merde, je l'ai tué. Mais je me suis loupé. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. Si je me suis pris un coup, ça m'a retiré la possibilité donc de courir contre le mur. Je ne sais pas du tout. Mais c'était pas cool. Alors, oh merde, putain, j'ai. Ouais. Niveau cachette, c'était pas le top. Oh putain. Moi aussi j'en ai. Là elle explose. Alors, j'ai pas trop compris le délire des grenades. J'ai l'impression que des fois elle explose pas. Oh, je. Alors là. Le mec avant moi s'est fail, mais pas moi. Donc, on est content. Et je ne vois pas les ennemis. Là, on est moins content. Ouais. Bon. Oui, il y a caca. Excusez-moi. Ouais. Donc apparemment, il y en a un par là-bas. Promis, la prochaine fois, j'essaie de tirer dessus. J'essaie de tirer sur eux. Ça pourrait peut-être éventuellement m'aider. Alors, je suis pas sûr, hein, bien entendu. Je ne suis pas sûr du tout que ça m'aide, mais ça va m'aider. Mais il y a des chances. Pou, 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 pou. Ok, alors je me fais y pour monter, je me fais tuer par derrière. Tout va bien. Tout va bien, comme je disais. Le réflexe du coup de couteau alors que je suis à 20 km du mec, c'était sublime. Ah, on est pas trop mal, hein. On est pas... Si, en fait, on est mal, hein, on est 4-7. Ah, j'ai fait trop de la merde, déjà. Trop de la merde. Ah, nickel, mon pote m'a aidé. On va passer avec ça, nous. Je voulais voir ce que ça faisait si je lui mettais directement. On annule. Oh, le fake. C'était... Je suis désolé. C'était magnifique. Je marche tranquillement, j'allais tirer et là, c'est le drame à travers le trou, le petit trou qui était dans le truc. C'était nickel. Ah, le mec doit être en train de se marrer. Ok,
Donc ça, je crois que c'est un des pouvoirs. Donc ouais, c'est une arme électrique. Donc il charge, il tire et si vous êtes plusieurs en fait collés, ça vous tue tous. Donc c'est cool. Impardonnable. Donc médaille vengeance, je sais pas quoi, mais d'ailleurs je me suis fait tuer, donc c'est dégoûté. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas où est passé l'ennemi, je pense qu'il s'est fait tuer, j'espère qu'il s'est fait tuer. Sinon de toute façon je vais pas tarder à le savoir, hein. Je vais me faire tuer moi aussi. Donc au début, j'ai eu peur. Parce que quand j'ai fait, vous voyez, on peut faire une course en fait, une course libre, que je conseille avant de commencer dans le vif du sujet, pour un peu apprendre les mouvements, apprendre comment se déplacer sur les murs, tout ça. Enfin, c'est même si c'est assez rapide, je veux dire, vous courez, vous allez courir contre le mur directement, donc il n'y a pas vraiment de souci. De ce côté-là, à part quand il vous arrive ça. Mais sinon, ça va assez vite. Donc moi, j'avais un peu peur parce qu'il parle donc des matériaux, tout ça. Donc je m'étais dit, si on est obligé de courir donc sur un truc bien particulier pour pouvoir sauter, ça va être compliqué parce qu'il va falloir surveiller avant. Alors, apparemment, on a fait le dernier. Peut-être pas. On va voir, c'est là, il y avait du monde. Non, je fais pas le dernier. C'est dommage. C'est dommage, il aurait été épique celui-là. La petite guéguerre avec le gars là. On s'est tués tous les deux. Ou enfin, moi, je l'ai tué, lui m'a tué, ou il a tué quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas trop. Oh, j'ai eu peur sur moi parce que j'ai exactement le même bonhomme, la même truc. J'ai eu peur, je me suis dit non, je peux pas, c'est pas possible. Et non, effectivement, ce n'est pas possible, ce n'était pas moi. Donc voilà. Voilà pour le BO3. Vous voyez, donc ça reste un bon jeu. Je pense que j'en ferai assez régulièrement des vidéos. J'essaierai toujours de faire deux games dans la vidéo. J'essaierai aussi de changer au niveau des larmes, au niveau des modes et tout ça. Vous montrer un peu tout et aussi pour moi, hein, pour m'éclater. Du coup, voilà. Donc, on va vous laisser. Je vais vous laisser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire. Me donner votre avis, des conseils, pourquoi pas. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.